D'ailleurs, tu vas utiliser du doux ou du brut, toi, pour ta recette? Non, déjà, je tenais à saluer ton arc-en-ciel. Ah, bah oui, j'appelle, non, c'est vrai, j'appelle le soleil. Voilà, mais il ne vient pas. Mais le cidre arrive à toi, quand même. Oui, alors doux ou brut? Alors, pour la recette. Oh, bah écoute, brut. Brut, ça a plus de caractère, plus de coffre, plus de caractère. Et comme on va utiliser ensuite de la pomme pour adoucir tout cela, ça sera parfait. Très bien. Donc, qu'est-ce que c'est que cette recette? Un poulet au cidre et à l'estragon. Formidable. C'est que le poulet à l'estragon, ça fonctionne bien. Alors avec du cidre, c'est encore mieux. Et on va voir ça tout de suite. De quoi a-t-on besoin? J'ai besoin de poulet, de cidre, d'estragon, de champignons, d'échalotes, de pommes, de crème et enfin d'un petit peu de farine. Parfait, on va commencer par quoi? Tu as commencé à j'ai commencé un petit peu à découper parce qu'il y a pas mal de découpes. Alors en tout cas, le poulet, dans un premier temps, j'ai découpé en gros cubes, pas en tout petits cubes, puisqu'on veut qu'il y ait quand même de la mâche. D'accord. Et alors pour apporter vraiment du moelleux au poulet, pour éviter qu'il soit trop sec, oui, je les farine légèrement. Je poudre les cubes de farine. Je poudre les cubes de poulet de farine. Tu vois? Ça va déposer comme une petite pellicule, non? Exactement. Une petite pellicule légèrement croustillante et surtout, ça va conserver tout le moelleux du poulet. Parce que souvent, quand on le fait cuire, le poulet, c'est qu'il sèche un peu. J'ai déjà mis ma poêle en chauffe, tu vois, comme ceci. J'enlève un petit peu l'excédent de farine. Et là, je vais faire dorer sur chaque face les cubes de poulet. Et en plus, tu sais que la farine, ça va apporter une onctuosité à ma sauce dont j'ai besoin. Ça va l'épaissir un petit peu, c'est ça ? Ça va l'épaissir, exactement. Donc là, tu vois, la poêle était bien chaude. Ouais. Je dore sur chaque face. Voilà, comme ceci, très très rapidement. Pas besoin de passer 2 heures. Parce que tu vas recuire ensuite derrière. Je vais le recuire ensuite. Mais alors là, tu vois, je vais d'abord débarrasser la poêle du poulet. Donc en principe, il faut le laisser un petit peu plus doré, mais de toute façon, ça va cuire ensuite. Donc je débarrasse ma poêle du poulet et je vais réutiliser donc la même poêle qui contient les sucs du poulet et la farine dans laquelle je vais faire cuire les champignons. Là, je vais faire revenir rapidement également mes champignons. Donc dans un mélange d'une petite noisette de beurre et un petit peu d'huile pour éviter que ça brûle et que ça roussisse. Voilà, comme ceci. On fait dorer un petit peu davantage. J'ajoute l'échalote hachée. Non, c'est pas nécessaire. Oui, parce que tu sais qu'après, on va mettre de la crème. Donc, je veux que mon plat soit quand même un peu light. Alors, si on peut parler de light avec de la crème et du cidre. Mais bon, là, on est sur la gourmandise. J'ajoute maintenant mes cubes de poulet. Voilà. Comme ceci. Je fais revenir quelques minutes. Et ensuite, j'oublie pas, bien sûr, mon estragon. Je vais ciseler directement dans mon faitout. Ouais. Tiens, Maya, tu peux remuer en même temps. Oui. Comme ça, tu vois tous les parfums de l'estragon, regarde. Oh là là, comme ça sent bon l'estragon. Ah ouais, ça sent très, cette très saveur bon. Légèrement anisée. On ne le cuisine pas suffisamment, l'estragon. C'est vrai. Mais la sauge, à tort. On ne la cuisine pas beaucoup. Exactement, à tort. Mais je te préparerai un petit plat avec de la sauge. Oui, j'adore ça, moi. Donc là, l'estragon est versé. Et maintenant, hop là, je vais pouvoir verser mon cidre. Oh là là, ça commence à sentir super bon. Ça sent bon. Et le cidre va apporter une douceur à ce plat. Alors, cidre brut de préférence. Si on veut quelque chose d'un peu plus sucré, un peu plus doux, n'hésitez pas à utiliser du sucre doux, du cidre doux. Donc on couvre simplement, voilà, on couvre simplement, on n'en met pas plus. Et là tu vas laisser mijoter. Là je vais laisser mijoter, je vais recouvrir avec on recouvre, on recouvre et maintenant. Et la crème tu la mets pas? La crème je la mets au tout dernier moment pour apporter de l'onctuosité. Je veux pas cuire ma crème, tu vois, juste au dernier moment une bonne cuillère de crème. Et les pommes. Oui. Et les pommes. Eh bien les pommes, je les ai découpées, tu vois, en quartier d'à peu près 2 cm et je vais les faire dorer sur chaque face avec un petit peu de beurre. Tiens, tu peux ajouter une petite pincée de sel sur les pommes. Voilà. Et ça va compléter mon plat à merveille. Tu sers ça avec un petit riz ou alors des tagliatelles. Oh là là, oui. Et là, tu es en Normandie. On est dans ton coin là. Gérard, en Normandie. Ouais. Voilà, j'espère que ton épouse a bien noté. D'ailleurs, si elle veut récupérer la recette, qu'elle n'hésite pas à aller sur la page Facebook de La Quotidienne. Coucou Françoise, on l'embrasse. Eh oui, Françoise.